Bonjour et bienvenue sur, sur GameDevCoder. On va continuer la programmation de notre éditeur de texte, pas éditeur de, de sprites, hein, pour créer des, des sprites pour l'Amstrad CPC. Donc on a vu donc la palette, on a vu donc la grille, la possibilité d'ajouter dans, dans la grille bah, des, des pixels format Amstrad. Hein. Voilà, possibilité de créer des, des sprites. Maintenant, on va ajouter un bouton. Hein, donc, on va créer euh, ce qu'on appelle un bouton, hein, comme les boutons que vous avez euh, sur votre ordinateur hein, lorsque vous cliquez euh, euh, sur les, les boutons. Là, hein. Voilà, ça, ce sont des boutons. Alors donc là ici on a créé un bouton donc celui-ci a bien évidemment euh, des caractéristiques hein. donc notamment il y a une bordure hein. on voit la bordure ici qui est tout autour hein. Hein, donc le line ce qu'on appelle le line on a euh, une couleur de fond qui est le fil hein, le couleur bleue celui-ci donc aura euh, un texte qui sera plus ou moins euh, centré selon la taille du, du texte hein, qu'on pourra définir hein. il doit pouvoir réagir au clic gauche et au clic droit donc nous dans le cadre de cette euh, de cet éditeur on va utiliser que le clic gauche donc si je clique sur le clic droit rien ne se passe mettons si je clique sur le bouton gauche il y a une fenêtre ici qui s'ouvre en demandant hein, est-ce que vous êtes sûr de vouloir enregistrer Si je réponds euh, non, rien ne se passe. Hein. Si je réponds oui, vous voyez que ici on a le clic qui se fait. Je reprends, hein, bouton, je clique sur le bouton droit, rien ne se passe. Je clique sur le bouton gauche, on a une fenêtre enregistrée qui soit avec une demande de confirmation. Je, je reprends non, rien ne se passe. Et si je réponds oui, bah ben là, le bouton est cliqué. Voilà. Donc, un bouton répond à un événement clic. Et nous allons donc créer, euh, cela. Je rappelle que ces objets, hein, les, la palette, euh, la grille euh, et le bouton, euh, doivent être indépendants des autres, des autres éléments. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je clique sur le bouton, il ne doit absolument rien avoir comme action euh, avec les autres, euh, les autres éléments. C'est-à-dire que si je clique sur le bouton, il s'est enregistré je ne vais pas aller chercher des éléments de la palette. C'est-à-dire que n'importe où dans n'importe quel programme, je pourrais reprendre le, le module, le module bouton et recréer les boutons. Hein, et les utiliser euh, indépendamment. Hein, on va voir comment on fait ça. À tout de suite, hein, de toute façon, hein, ça va aller assez rapidement. Hein. Donc je vais pas rappeler, hein, vous rajoutez le bouton euh, sauve. Hein, donc c'est le bouton sauve.lua. Euh, dans euh, éditeur par module. Hein, donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, voyez voilà les vidéos précédentes. Donc, comme on a donc ajouté le module éditeur à la liste des modules, on peut donc créer mettons, le bouton sauve. Donc, bt save bs. D'accord Alors, le bouton euh, sauve euh, va réagir à un événement un clic ou une fonction qu'on aura définie, qu'on va passer dans son constructeur. Alors, quand je le constructeur, c'est dans la fonction loid. Hein donc on va le positionner. Tiens. Alors si je reprends ici, hein, hop, pour qu'on comprenne bien. 32 x 18. Donc.

Alors, le, le bouton load va le prendre en paramètre donc, ses positions x et y. On va prendre le, le texte et on va prendre ce qu'on appelle euh, une fonction de callback. Alors, une fonction de callback, euh, ça, c'est des fonctions de callback également, hein, love.load, etc. Ce sont des fonctions qui sont appelées dans une. Euh, <coughs> qui sont appelées dans les paramètres d'une autre fonction. <coughs> gorge qui, qui, qui s'érite voilà donc ça c'est fait hein. on le on charge des paramètres hein. on peut euh, également on verra tous les paramètres de euh, du bouton hein, qu'on peut paramétrer donc bien, bien évidemment comme tous les autres objets hein, par euh, par ces paramètres donc on aura un bs.update pour updater le bouton un bsdraw pour dessiner le bouton et un bs.point.mousepressed pour lorsqu'on clique sur le bouton de la souris hein, voilà toujours aussi euh, succinct toujours aussi euh, simple en termes de euh, fichiers euh, euh, je dirais euh, main hein, la seule différence c'est qu'ici on a une fonction qui a été ajoutée en local euh, qui sera bien évidemment plus tard dans, euh, dans la librairie. On aura une librairie qui va sauvegarder une grille hein, ou un tableau. Hein, D'accord. Mais euh, pour l'instant on ne l'a pas. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire ben, Si la fonction callback n'existe pas ou si on n'en a pas passé, le programme ne doit pas planter. Hein, donc le programme ne doit rien faire. Et si la fonction euh, de callback existe, eh ben, il doit l'exécuter. Bon. Alors, on y va, on regarde comment c'est fait. Alors, le bouton de sauvegarde, qu'on a appelé donc BTSave, on a un certain nombre de paramètres. Donc, on a ses dimensions. On a la couleur de, du fond du bouton. On a la fonte d'écriture. On a le curseur, la forme du curseur lorsqu'on passe dessus. On a le, la couleur du contour, le line color, la couleur du texte et la position d'offset du texte au, 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 au point ici. Hein, offset en X et offset en Y. Hein, puisque là du coup le point d'ancrage je dirais est en haut à gauche du bouton et donc on va lui déplacer donc à droite et vers le bas d'accord on a une fonction de collision toujours à bébé chien toujours la même chose hein, vous voyez hein, on, se, on se répète hein. donc on va tester notre souris si notre souris est dans euh, la zone hein, dans, dans la boîte ici hein. Donc on a la position de x, la position de y, la largeur du bouton et la hauteur du bouton, la dimension en largeur et la dimension en hauteur euh, du bouton, et si euh, notre souris est euh, dans cette zone, ben c'est que euh, on, est, on survole le bouton. Hein. Si c'est le cas, ben on songe euh, ben la, la forme du, euh, du curseur hein, de, de notre souris, hein. donc on passe en main. Sinon, ben, on revient normal, d'accord Et on va retourner si on a une collision. Donc, on fait un retour à ABB classique, comme on l'a déjà vu partout ailleurs. On a toujours la même fonctionnalité. Alors, ici, on a une fonction un peu particulière, puisqu'on a déclaré une fonction en clic en local qui ne, qui ne fait rien. Alors pourquoi on a fait ça On a fait ça pour pouvoir déterminer ici une fonction vide. C'est-à-dire que si lui n'existe pas, c'est-à-dire que si la fonction de callback n'existe pas, le programme ne doit pas planter. Donc s'il n'existe pas, ce qu'on fait, on vient chercher la fonction vide. Donc on aura euh, ici un clic qui sera égal à un clic. Donc on viendra chercher ici. Euh, on va exécuter cette fonction. Cette fonction ne faisant rien. Quand on va cliquer sur le bouton, bah, ça ne fera rien. Si la fonction de callback existe, dans ce cas, on va lui mettre euh, 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 on va lui déterminer que le on-Click est égal à cette fonction-là. C'est-à-dire que quand on va lancer onClick, on va lancer le callback. Donc, la fonction load, bien évidemment, elle va prendre le texte hein, de, de, de ce que doit être écrit sur, euh, sur le bouton et euh, la position du bouton. La bouton le bouton draw, enfin le save draw, bah, on va l'afficher. Hein, donc, on va utiliser pour ça le, bah, la, la fonction drawbox hein, de la librairie. Riche, hein qui va nous afficher en ficher position x y selon une dimension w une dimension h et un fil color et un line color notre bouton voilà pas plus compliqué que ça ensuite on va définir la fonte qu'on a paramétré dans le bouton on va lui dire la couleur de la fonte du texte et on va euh, bah faire hein, une impression hein, du texte à l'écran, hein, donc à la position X plus l'offset X, et la position Y plus l'offset Y, euh, pour être à peu près euh, ici, hein, un décalage ici, un petit décalage vers le haut pour dire de centrer le bouton. Enfin le texte dans le bouton. à peu près. Hein. On pourrait faire des calculs savants hein, euh, sur la. La, la taille de, du caractère, euh, le nombre de caractères qu'on peut mettre dans la longueur. Non, on ne va pas se prendre la tête à faire des calculs scientifiques. On le fait au vu d'œil. Voilà, à peu près là. Bon, voilà, là c'est bien. Voilà, ça suffit. Donc, c'est pas plus, c'est bien comme ça. Il y a des gens qui vont commencer à calculer la hauteur de la fonte euh, pour pouvoir le centrer. Euh, le faire mais franchement c'est faire des calculs et des calculs pour pas grand chose donc on le fait au pifomètre à peu près euh, et quand on estime que ça va ça correspond un peu à ce qu'on veut et eh ben euh, c'est tout hein. on n'en a pas besoin de plus voilà le update, bah, le update, on utilise encore une fois une fonction euh, ternaire, hein, tout simplement, qui remplace le if else and c'est à dire que si lui est, est, est vrai, chien, dans ce cas, on va mettre euh, cette couleur là dans le test color, sinon si celui est faux, on va mettre celui ci dans le test color. Voilà. Pas besoin de faire un si machin et machin tout. Pas besoin de compliquer. Une seule ligne, ça fait le travail, ça fait le taf, c'est parfait. Quand on va cliquer sur la souris, hein, du, du, le bouton Save Mousse va être lancé. Première chose qu'on va vérifier, on va vérifier si on a collé avec le bouton. C'est-à-dire que si je clique avec la souris, mais que je ne suis pas sur le bouton, ben, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc je quitte. Je fais un retour moins 1, mais si je ne devrais même pas faire un retour moins 1, je ferai ferais un retour tout court. Hein, je ne vais même pas retourner quoi que ce soit. Voilà, donc si, euh, si je, je ne collide pas, je retourne. Donc euh, quand je retourne rien, ça veut dire que je retourne nil. Hein. D'accord. Sinon, si on, a on est en collision avec le bouton, je si le bouton ici est égal à 1, si c'est le cas, bah, j'affiche un message, affiche bouton, ok, machin, je configure hein, tout simplement euh, le show message box avec le texte. Euh, du bouton, le message Êtes-vous sûr et euh, ma liste bouton, à savoir que escape bouton, ça sera le 2. C'est-à-dire, j'escape, c'est-à-dire, je quitte avec le bouton no. Voilà. Je récupère ici, donc, du coup, euh, le bouton qui est cliqué. Si c'est le bouton OK, c'est-à-dire le bouton. Alors je vais exécuter la fonction de callback et je quitte. Il n'y a pas plus à dire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est clair, c'est simple, c'est précis et ça fait le taf. Voilà. Et on peut tout paramétrer, hein. On peut reparamétrer la dimension du bouton. On peut démonter la couleur de, euh, du bouton, la la fonte, euh, la, la, main, la souris. Euh, on peut déterminer la couleur là, la couleur texte et la test offset. Tout ça, on peut configurer ça, euh, tout ça. hors tout simplement, ici, du, du bouton, hein. Il suffit de paramétrer tout ça juste avant de, de lancer le bouton. Euh, admettons, si je veux changer la couleur du fond du bouton, euh, je peux prendre lui. Voilà, voilà. Si je veux, si je veux changer la couleur du bouton, hein. voilà. Je viens ici et ici, juste là. Hop, je paramètre le bouton. Donc je dis lui, non non, ça sera plus la couleur bleue, mais je veux une couleur euh, euh, rouge. Allez, red. Voilà. Et si je, je lance, bah j'aurai un bouton avec une couleur rouge, un fond rouge sur blanc. C'est pas, pas, pas moche. Hein Alors on va regarder si ça fonctionne, hein, bien sûr. Voilà. Et ici, si, ça s'ouvre. Et voilà, on a un bouton rouge qui est affiché. Ouais. Et ainsi on peut configurer euh, le bouton sans devoir toucher au code. Hein, C'est-à-dire que je ne touche pas au code ici, hein, au, au code du bouton. non Je vais juste avoir une liste de paramètres ici à part à, à, à refaire, à définir. Hein. Je, je définis tout ce qui. Alors bien sûr, j'ai mis BS, mais c'est BS. Hein. Euh, c'est pareil, hein. Le bs est égal à bs est égal à save, donc bouton save est égal à bs, hein. d'accord Donc je définis tous mes paramètres ici, puis je lance mon bouton. Hein De même que la fonction euh, ici, Hop, si je retire ça, et que je supprime ma fonction ici, d'accord donc là, il y a une fonction ici qui doit exécuter, qui n'a plus. Euh, ben, ça fonctionnera quand même. Enfin, ça fonctionnera. Ça ne va pas rien afficher. Hein. Mais il, le, le programme ne va pas planter. Voilà. Donc si je clique ici et je mets 8. Oui, hop, bien sûr, il ne fait rien, mais il ne, il ne plante pas. Hein, le bouton ne plante pas. Enfin, l'application ne plante pas. Hein, et ça, c'est grâce à ici c'est grave au en fait qu'on a mis le orc on click la fonction ici vide donc euh, s'il ne trouve pas le callback dans ce cas il va mettre dans onclick lui même hein, donc il va lui mettre lui même donc c'est à dire il va mettre une fonction euh, fonction vide d'accord bon Je vais, je vais la remettre dans le cadre de, de l'exercice. Enfin, de l'exercice. Dans le cadre, tout simplement, de, de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on passe une fonction dite de callback, qui est cette fonction ici, pour pouvoir l'exécuter en interne de notre bouton. Et cette fonction-là, elle est exécutée quand Elle est exécutée quand on clique bouton droit sur le bouton et quand on clique sur OK, sur la confirmation hein, de, du bouton. Alors, donc, il n'y a pas plus à dire. On va passer au bouton Load. Alors là, on était sur le bouton Save. Et bien, on va faire exactement la même chose sur la vidéo prochaine pour le bouton Load. Et ensuite, on passera sur la fonction de sauvegarde. Et la fonction euh, euh, ensuite de, de chargement. Voilà. et vous, vous expliquerez comment ça fonctionne pour faire une sauvegarde euh, sur euh, sur 2D. Voilà. Sur le... Voilà. Donc moi j'ai terminé cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci va va vous plaire. J'espère que vous appréciez ces vidéos, hein, cette série de vidéos sur la création euh, de jeu en CPC hein, sur un Amstrad CPC. Je rappelle qu'on avait commencé à afficher des sprites à l'écran et les faire bouger un peu partout. Enfin, faire bouger un sprite. Bon, exactement deux. Hein, deux sprites. Et ensuite, on s'est posé la question de comment se simplifier la vie. Euh, pour créer des, des sprites hein, tout simplement hein, puisque l'encodage en CPC euh, d'un sprite est un peu particulier au niveau des euh, de, de sa représentation au niveau euh, pixel à l'écran. donc on s'est dit on va essayer de trouver un éditeur de sprite euh, qui fonctionne bon j'en ai pas trouvé un seul qui fonctionne comme il veut comme je voulais sa euh, plante alors je, parce que je pense que c'est parce que je suis sur un vieux PC hein, peut-être hein, donc Windows 7 et que les personnes qui développent ces outils euh, très vieux euh, outils euh, ça a été développé sur sur autre autre machine quoi donc je fais chose qui fonctionnera sur toutes les machines et qui sera donc évaluable enfin qui va pouvoir évoluer des fois évolutif qui sera évolutif qui va pouvoir évoluer dans le temps euh, et euh, tout le monde pourra euh, s'en servir si il le souhaite. Voilà. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me répète toujours hein, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Là, vous avez beaucoup de vidéos puisque c'est le week-end et puis comme j'ai eu le, un peu de, de, de repos, donc du coup, j'ai pu, euh, pu faire pas mal de vidéos, mais ça ne sera pas toujours le temps. Hein, le cas, alors ah là, là je sais plus parler, puisque la semaine prochaine, je reprends le travail. Euh, donc, les vidéos vont devenir un peu plus restrictives, il y en aura moins. Et de ce fait, ça sera bien que vous recevez la notification. Hein. Voilà. Donc vous retrouvez bien évidemment toutes les sources de ce programme euh, sur le GitHub. Les liens sont en descriptif de, de la vidéo. Pensez à mettre un, un petit euh, j'aime, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour m'encourager à continuer il ne serait ne sera pas malvenu. Enfin, si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas non plus à à évoquer la question hein, on peut toujours toujours faire en sorte d'évoluer les choses bon le but là ici c'est de créer un éditeur de sprites. bon on peut toujours essayer d'améliorer les choses bien sûr hein. bon voilà donc moi j'ai terminé cette vidéo je vous dis donc à la prochaine vidéo je vous, je vous dis toujours la même chose donc à bon bonne fin de week-end et à la vidéo prochaine suivante Allez, bye.